pour beaucoup qui sont... Vous habitez pas les eaux, madame? Oui. Vous avez voté dimanche dernier? Oui. Vous allez revoter dimanche? Oui. Vous avez le choix entre deux candidats, vous savez? Oui. Jérôme Gage et moi. Bonjour. Comment? Jérôme Gage avec Mélenchon ou moi? Donc je ne sais pas pour qui vous avez voté. Et je vous ai mis, il y a un petit mot de votre mère derrière, regardez. Oui. Puis il y a un petit mot. Ensemble, c'est la présidentielle. Oui, moi je suis la ministre du gouvernement de la transition écologique. Vous attendez de la stabilité, du sérieux. Beaucoup de gens d'ailleurs, moi que j'ai vu avant, m'ont dit non, mais c'est bon. Un mot des élus, et puis ce qu'on veut faire en priorité pour pas les eaux, considérant que M. Guet. Là, le sujet, ce n'est pas ma place. Le sujet, c'est quel est l'avenir du pays pour les 5 prochaines années. Est-ce qu'on laisse de la place, pas la mienne, mais de la place, aux mélenchonistes? Est-ce qu'on laisse de la place à ces idées de désordre, d'appauvrissement, d'affaiblissement? Je crois qu'une élection, ça se gagne toujours à la sueur du front, à la conviction qu'on y met. Je serais très déçue pour elle parce que je pense qu'elle avait un avenir. Elle a toujours un avenir au sein du gouvernement. Bras droit de la première ministre, c'est pas n'importe quoi. Un poste très très intéressant, la transition écologique, je crois qu'il lui va comme un gant. Je pense qu'elle mérite de garder son poste. Je pense, voilà, et ça n'empêche pas de continuer pour travailler pour notre département, notre circonscription. À vous soutenir au maximum. C'est gentil, merci. Ça me touche beaucoup. C'est vraiment très important qu'il y ait une force importante d'opposition. Et pourquoi pas de majorité, pas forcément d'opposition. Oui, on peut gagner aussi au niveau national. Majorité pour avoir de débat, parce qu'avec Macron, il n'y a pas de débat. Ben voilà, c'est comme ça vous faites l'ambiance. Non mais voilà, et après. C'est la confrontation d'un deuxième tour dans lequel le choix est clair. Soit on continue 5 ans avec Emmanuel Macron et sa représentante, ministre candidate dans la circonscription, Madame de Montchalin, soit on a le programme de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale que j'incarne. Moi, je suis un élu de Massy, un enfant de Massy depuis des années. Donc, comment je le sens? Avec le résultat du premier tour, on a de l'allant, on est en tête, on est bien devant. Pour autant, ce n'est pas joué. Oui, je confirme. Dimanche, j'ai besoin de vous. On est là, on est là. On est là, on va passer, on va changer. Il faut dire à tout le monde, parce que là, le choix est clair. Hein. Ouais. Voilà. Madame de Montchalin, Jérôme Guedj, Macron ou non, le programme de l'Union populaire. Non, vous allez retourner à Massy. Vous allez voter dimanche. Faire campagne autour de vous.